Strasbourg, fort J9. Cela fait plus de 60 ans que l'armée a donné le fort à l'université et que l'on observe ici les variations de la pesanteur plutôt que les frontières. Ce jour-là, un nouvel instrument arrive de Californie, où exerce le seul fabricant au monde de ce type de gravimètre. Alors l'instrument qu'on vient d'installer, c'est un gravimètre supraconducteur proposé dans le cadre de RECIF, qui est un programme d'équipement d'excellence. The distinctive feature of this instrument is its extremely low drift, nearly zero, and its very low noise. It's capable of resolving 1,000 times lower signal than any other gravity meter. And its drift is unique, allowing long-term, decades, years, weeks, months, signals that cannot be picked out of ordinary gravity meters. En mettant bout à bout l'ensemble de nos gravimètres supraconducteurs, on a une série depuis 1987, donc de plus de 25 ans, de mesures en continu qui nous ont permis d'étudier des choses qui n'étaient pas possibles avant, qui sont liées à la longueur du signal. Donc des marées, soit des marées longue période qui n'étaient pas observables, soit pouvoir séparer des marées qui sont de fréquences proches. Et il n'y avait pas le pouvoir séparateur avec des analyses typiquement de quelques années. Ici même, chaque jour, on se soulève d'une quarantaine de centimètres à cause de cette marée terrestre. Alors le problème, c'est qu'on voit tout avec cet instrument. On voit les déplacements du soleil, les déplacements de la lune, l'air, la pression atmosphérique. Donc le gros inconvénient de cet appareil, c'est qu'on voit tout. C'est qu'il faut d'autres capteurs à côté pour pouvoir associer ces données aux données qu'on mesure, pour pouvoir isoler ce qui nous intéresse. Si on veut mesurer le mouvement des planètes, eh ben, on va enlever l'eau, on va enlever la pression atmosphérique. Si on veut connaître la quantité d'eau qui tombe dans le sol, on va enlever le mouvement des planètes et tous les paramètres qui sont indésirables pour se concentrer uniquement sur ce qu'on recherche. Alors le gros avantage quand même avec un instrument de ce type, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des forages dans le sol pour regarder les mouvements magmatiques. On n'est pas obligé d'aller sur la Lune pour regarder comment elle bouge. Et cet appareil voit tout simplement en le posant au sol. La force de l'EOST repose entre autres sur la complémentarité des disciplines. Géodésie, sismologie et gravimétrie apportent chacune un éclairage particulier sur la Terre. La gravimétrie peut être un outil complémentaire à la sismologie, c'est-à-dire qu'on peut regarder des déformations à l'échelle globale de la Terre. En effet, après un très fort séisme, la Terre va entrer en vibration comme une cloche, et donc elle va vibrer à différentes fréquences. Et ces différentes fréquences correspondent en fait à différents modes propres de la Terre, que l'on mesure très très bien avec la gravimétrie également, et en particulier à des fréquences plus basses que ce qui est fait habituellement en sismologie. Et donc l'intérêt d'étudier ces modes propres, c'est qu'effectivement leur fréquence finalement dépend directement de la structure interne de la Terre, c'est-à-dire sa densité par exemple. Tout comme une cloche, suivant le matériel avec lequel elle est construite, va émettre différents sons. Les éléments qui composent la Terre influent sur la gravité. Veines de minerais, chambres magmatiques ou encore nappes phréatiques n'échappent pas au gravimètre. Étonnant instrument sensible aux redistributions de masse. Lors des travaux d'hydrologie ou de géothermie, on l'utilise pour détecter les variations des masses d'eau en profondeur. Ce qui se développe beaucoup ces dernières années, c'est le concept de gravimétrie hybride, qui est en fait une combinaison de différents types de gravimètres, où il y a par exemple les gravimètres supraconducteurs qui font l'enregistrement en continu. De temps en temps, ils sont calés
par des mesures absolues, balistiques, et parallèlement à ça, en partant d'un point de mesure de référence qui est tout le temps suivi, on mesure avec des petits gravimètres à ressort sur un réseau. Quand on fait ça, on a une très belle vision des variations spatio-temporelles de l'objet qu'on étudie, et ça c'est clairement une technique qui est de plus en plus utilisée, que ce soit pour des problèmes liés à l'hydrologie, donc le suivi d'aquifères, de contenu en eau du sous-sol, ou alors dans des problèmes de volcanologie également, ou liés à la géothermie. Comment dire, c'est un challenge quoi, d'essayer de détecter des choses toutes petites. Bah, les sondes gravitationnelles, on ne pensait pas pouvoir les détecter, puis ils sont arrivés avec leurs extensiomètres laser. Et ils sont arrivés aux États-Unis. Donc. Ce qui est vraiment formidable, c'est d'un point de vue technologique, d'arriver avec le GPS, ces satellites qui sont à 20 000 km d'altitude, de mesurer finalement dans le fossé rhénan des déplacements qui sont de l'ordre de 0,1 ou 0,2 mm par an. Arriver à cette toute petite précision avec des données qui viennent de satellites qui sont si loin, je trouve ça assez extraordinaire. La géodésie est l'étude de la forme de la Terre. Mais dans les domaines de la tectonique active et des séismes, ce sont surtout les mouvements de la croûte terrestre qui sont sous la loupe. Le premier outil pour faire de la géodésie, pour de la tectonique, pour de la sismicité, c'est les stations GPS, plus développées, plus modernes, qui utilisent deux fréquences, qui utilisent tout le signal possible dans le signal GPS, et donc qui nous permettent de positionner un point à quelques millimètres près. Et donc ce point, on le positionne jour après jour, et au bout d'un certain temps, eh bien, on peut calculer son déplacement. On peut comme ça voir la tectonique des plaques, les déformations des montagnes, l'élévation des montagnes, le mouvement des failles, etc. Donc ici au Markstein, c'est l'idéal parce qu'on est au sommet, on a une visibilité sur le ciel qui est parfaite, on a le rocher qui est presque en dessous du sol, donc en creusant un peu, on arrive directement sur le rocher. Le mouvement qui est mesuré par l'antenne GPS en haut représente directement le mouvement de la Terre à cet endroit-là, le mouvement en fait de la croûte terrestre à cet endroit-là. Ce qu'on voit sur cette carte, en fait, c'est les résultats de multiples études de géodésie faites avec des GPS. Les flèches rouges, c'est quand le déplacement il est supérieur à 1 mm par an, et les carrés jaunes, c'est quand le déplacement il est inférieur à 1 mm par an. Ce qu'on voit très facilement, c'est que les grands déplacements, eh bien, ils sont principalement en Turquie, en Grèce, en Italie, un peu autour ici de la mer Adriatique, et puis en Afrique du Nord et au sud de l'Espagne. Et que pour le reste de l'Europe, à partir du nord de l'Espagne, toute la France, l'Allemagne et tous les pays du nord de l'Europe, on a très très peu de déformations. On a des déformations qui sont inférieures au millimètre par an. Mais par contre, si on zoome et qu'on regarde très très attentivement ces régions, eh bien on a ce genre de résultats. Alors dans le centre, ici, autour de Strasbourg, on voit par exemple qu'on n'a pas de déformation. Par contre, dans le sud, ici, on voit qu'entre cette ligne de station qui est juste à la frontière suisse avec la France ici et l'Allemagne ici, et cette ligne de station ici qui est en Suisse, eh bien on voit que là, on a une variation de vitesse importante de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre, peut-être 0,5 mm par an. Et ça, c'est intéressant parce que cette région, c'est aussi une région où il y a de la sismicité. Actuellement, il y a de la sismicité instrumentale importante dans cette région et ici, au nord de Bâle. Et puis dans le passé, il y a eu de la sismicité historique avec par exemple le séisme de Bâle. Donc c'est une région où, dans une zone à faible déformation, on a l'impression qu'on peut quand même faire un lien entre sismicité et déformation GPS. Voilà, donc ça, c'est des résultats qui sont assez nouveaux et qui sont permis en fait grâce à des mesures de longue durée. Ici, souvent des stations qui mesurent pendant plus de 10 ans. C'est la notion d'observatoire. En géodésie, de toute façon, il faut avoir le temps.
Il faut avoir le temps de faire les mesures, il faut avoir le temps que la Terre se déforme, que la Terre se déplace. Donc c'est très très important quand on commence un projet de bien le réfléchir, parce que c'est des projets qui vont durer pendant des années, quelquefois des décennies. Si on prend l'exemple de Djibouti sur lequel l'EOST est impliqué avec l'IPG Paris, les projets ils ont commencé dans les années 70. Et toute la richesse de la recherche là, c'est d'avoir ces séries temporelles sur plus de 50 ans qui permettent de suivre différents types d'épisodes volcaniques, différents types d'ouvertures de rifting. Et c'est vraiment la durée qui est très très importante pour arriver à faire la recherche qui nous intéresse.